l'Amérindienne, l'Amérindien qui dit « Va dans la forêt. Les arbres, les pierres t'apprendront ce que les maîtres ne peuvent t'enseigner. » Je suis née dans la grande nature. Je suis un enfant de la nature. Je suis un enfant de la terre. Je l'ai toujours admiré avec ses saisons. Les arbres à feuillage qui forment des boucles, puis toute la chevelure qui propage l'ombre sur le sol, qui nous invite à aller se reposer. Tout contribue à faire grandir le respect pour cette terre. Moi, je trouve que la terre est un chef-d'œuvre. Alors, pour regarder la beauté, il faut des yeux de beauté. Que, tant que le soleil brillera et que le fleuve et les rivières couleront, la terre va exister. L'homme est là pour... il est gardien de la terre. Parce que la terre n'est pas la possession de personne, mais nous, nous appartenons à la terre. Il faut savoir lire la terre, puis savoir écouter la terre. Le savoir lire, c'est que, au début, nos ancêtres ne savaient pas lire, ne parlaient pas français, ils voyageaient en canot et ils allaient, ils lisaient, ils observaient, puis ils faisaient une lecture de la terre. Bon, ceci, c'est comme ça, bien, ça va s'appeler comme ça. Ils sont allés à Québec. Ils ont vu que le Québec, l'eau, était moins large que dans Montréal, le fleuve Saint-Laurent. Là, ils ont dit, Québec, ça veut dire là où la terre se rétrécit. Dans cet endroit où je suis née, ils voyaient toutes des neiges, des petites côtes et des petites buttes. Mais ils l'ont appelé colline enneigée. Ouais, là où tu vas aller, où, à colline enneigée, tu vas aller où la terre se rétrécit. Tu vas aller à Ganawagi, ils disent, tu vas aller où il y a des rapides. Puis à Kawasasne, ils ont dit, tu vas aller où il y a de la perdrix. Ils se disaient des affaires comme ça. Puis on lit aussi la terre par la température. Mon père travaillait dans le champ haut, et le midi descendait. Il est midi parce que le soleil est placé comme ça. Puis quand il ventait, les feuilles versaient. Ma mère a dit, il va pleuvoir, parce que les feuilles sont versées, sont tristes. Tu sais, c'est la nature, elle a des avant-coureurs. Puis nos émotions avec, c'est un échange. Puis on communique avec la nature, on la lit. On restera toujours spirituel. Cette terre-là, là, on a une volonté de vivre, nous autres. C'est sûr qu'elle est pas comme avant. Le monde, ils l'ont bardassé, ils ont fait des bon. Mais nous autres, on dit, elle nous a fait rebondir, mais ça fait rien, on s'adapte aux situations modernes. Faux, il le faut. On dit pas que la terre, à nos yeux, on ne veut pas qu'elle soit statique, elle est loin d'être statique. Mais on n'a pas changé notre identité. On l'a conservée pareille. Quand même que les alentours changent, on ne change pas notre identité d'autochtone. Et jamais personne ne va nous enlever notre identité, notre spiritualité.